bore kwiba no gutera ubwoba abantu eh hejuru yabo rero harafashwe ababafasha kuko hari nko witwa nezerwa Arno niwe yarasa niwe mu munsi biba niwe anaba deplasa ku moto yiwe harafashwe kandi Karisabiye Audace bukuru Eroge na Kwizera Ig abo oye bakaba bafashwe nk'abantu bafasha izo nkozi z'ibibi muri ayo mabi bakora ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwagomba mushimire abantu bose bagice bafashije kugira ngo abantu bafatwe kuko haragiye mu ruhara rw'abene gihugu hamwe n'ubwinyamira mabi kugira ngo abantu bashobore gufatwa ikindi twabamenyesha nuko muri ino ntara nyene ya Mwaro muri wa mugambi wo kugwanya ibinyobwa bitarekwa n'amategeko ino ntara guhera mu kwezi k'umunani yarafashe irongera irasesa amaritwa amajana 390 muri komine ya Kayokwe amajana 275 muri komine Nyabihanga na 55 muri komine ya Rusaka kuvuga hose akaba ari amaritwa amajendwi na 200 cibonekeje gishasha nuko hejuru yuko bafashe bino binyobwa bitemewe n'amategeko nuko bafashe n'abantu basanzwe babitegura kandi bakongera bakabidandaza tukabamenyesha rero yuko abantu 9 bafashwe kandi baracibwa imanza zimwe bita kibiriraho imanza zi 5 kuko bari basangiye icaha tukamenyesha ko kandi n'ubu hariho izindi dosiye zibiri zizoshikirizwa ubutungane ejo ho bukera kugira ngo aba bantu by'ukuri bahanwe bahashwe kugira ngo ibinyobwa byirirwa bironona ubuzima bw'abantu bituzwe. Le point de départ c'était en date du 11 août de cette année, c'était vers 19h30 sur la colline Kibogoye, zone commune Kayokwe, c'est en province de Mwaro, où un groupe de criminels armés de fusils et de grenades attendait une embuscade contre un certain Ndayishimiye Jean Berkimas, qui est gérant d'un grossiste des produits de la Burundi. D'un certain Nzorijana Panfil, alias Luker. Ce gérant rentre de Kayokwe vers Mwaro. Il était avec sa femme. Et il est passé dans la zone de Gatwe de la même commune. Et le gérant a tombé dans cette embuscade. Il a été dépouillé d'une somme d'argent s'élevant à 3 millions de francs burundais. Et après le forfait, l'un des criminels qui possédait un fusil de type Kalachnikov a tiré des coups de feu en sachant qu'ils orientaient au gérant. Ces coups ont touché mortellement l'un de ses compagnons qui répond au nom de Harimane Jean-Claude et qui est mort sur le champ. Et après le forfait, les enquêtes de la police ont été menées en commençant par ce criminel décédé. C'est alors au fil du temps que le groupe a été identifié. Les vrais auteurs qui sont en Nkuruziza à Janvier, c'est le natif de la colline Nyagitongati, dans cette même commune, Nikwigize Claver et Mani Rakiza Inosa. Et au-delà de ces auteurs, des complices également ont été arrêtés. Il s'agit de Nezegwa Arno, celui qui faisait le transport de ces criminels, Karisabiye Audace, Bukuru Eloge et Kwizera Ig. Et je tiens à vous signaler que Nkurunziza Janvier a été arrêté à Nyanzalak, c'est dans la province de Makamba. C'était en date du 21 août de cette année. Et il est également parenté de la victime, le grossiste Nzorijana.
Nikwigize Clavel, lui aussi, a été appréhendé à Nyanzalak. Les deux s'apprêtaient pour partir en Tanzanie parce qu'ils avaient l'information faisant état qu'il faut objet de recherche de la part de la police. Manirakiza Inosa a été arrêté chez ses parents dans la commune de Mugamba, en province de Burundi. Nkurunziza Janvier, aussitôt arrêté, il a coopéré avec la police. C'est lui-même qui a pu montrer ses engins, ses armes qu'ils utilisaient pour commettre les divers forfaits. Ces armes sont constituées par un fusil de type Kalachnikov AK-47, des grenades défensives, une lance-pierre et monchako. Par rapport à cette situation, alors, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique voudrait remercier la population qui, de près ou de loin, a contribué à la réussite de cette action louable de la police nationale du Burundi qui a abouti au démantèlement total de cette bande. Le même ministère rappelle à ces criminels, à ces détenteurs illégaux d'armes à feu, de cesser ces activités criminelles, mais d'emboîter le pas aux autres Burundais qui s'attellent actuellement aux activités de développement. Un autre cas que je voudrais vous parler, c'est le cas concernant les boissons prohibées. Dans l'objectif de radiquer la production des boissons prohibées, au cours de ce mois d'août, dans la province de Mwaro, la police, en collaboration avec l'administration, a déversé 390 litres de ces boissons en commune Kayokwe, 275 litres en commune Nyabihanga, 55 litres à Rusaka. Au total, 720 litres de boissons prohibées. Ce qui est très important par rapport à la lutte contre d'autres boissons prohibées, c'est que dans cette province, non seulement détruire ces boissons, 9 personnes ont été appréhendées, dont une femme, donc qui faisait la production de ces boissons, et ils ont été traduits en justice. 5 cas ont été jugés en flagrance et 2 autres dossiers sont encore d'instruction et seront transmis demain matin au ministère public.